Merci de votre fidélité et bienvenue dans votre émission quotidienne Le Scanner. Comme vous le savez, Le Scanner est une émission de débat constructif. Vous êtes nombreux à nous suivre un peu partout à travers le pays, à Koya, à Dibreka, à Labé, à Zérékoré, mais aussi à Kansa. Merci à Kankan, j'allais dire. Merci de votre fidélité sans cesse renouvelée à notre émission Le Scanner. Au menu de ce jour, la première édition des États généraux de l'agriculture et de l'élevage a pris fin. C'est vendredi 5 juillet 2024. L'événement a réuni plus de 850 participants venus des divers horizons du pays, mais aussi de l'extérieur, dont l'objectif était de rassembler les principaux acteurs du secteur agropastoral pour discuter des défis et des opportunités, mais aussi élaborer des stratégies durables pour le développement du secteur. Mais comment les acteurs du secteur agricole ont-ils accueilli cette première édition? Quelles sont les difficultés auxquelles ces acteurs sont confrontés au quotidien? Qu'attendent-ils de l'État après cette première édition? Pour répondre à toutes ces questions, nous recevrons dans Le Scanner Ibrahim Diallo. Il est le président de la coopérative agro-pastorale Foutagrim, dont l'objectif est d'assurer l'amélioration des revenus des exploitants agricoles, la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations, la réduction de dépendance alimentaire du pays, mais aussi la lutte contre l'exode et la pauvreté en milieu rural. Réuni ce samedi 6 juillet 2024 à Niamey pour leur premier sommet, scellant ainsi le divorce avec la CEDEAO, les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel AES ont placé cette première rencontre sous le thème « L'Alliance du Sahel ». L'Alliance du Sahel est un espace souverain de sécurité et de prospérité. Le général Abdourahmane Tiani, le colonel Assimi Goïta et le capitaine Ibrahim Traoré ont pris la décision de franchir une étape supplémentaire vers une intégration plus poussée, disent-ils, entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Ils ont à cet effet adopté un traité instituant une confédération dénommée Confédération Alliance des États du Sahel, en abrégé Confédération AES. Les trois dirigeants ont décidé en outre de la création d'une banque d'investissement de l'AES et de la mise en place d'un fonds de stabilisation pendant ces temps, à l'occasion de l'ouverture du 65e sommet ordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce dimanche 7 juillet 2024 à Abuja, le président de la commission de la CEDEAO a mis en garde le Mali, le Burkina Faso et le Niger sur les graves répercussions de leur divorce avec le bloc régional. Que faut-il craindre dans les jours et mois à venir entre la CEDEAO et ses trois États réunis en confédération, et quelle approche faut-il envisager pour éviter l'effritement de l'organisation sous-régionale? Nous posons le débat dans Le Scanner. Et puis, à la fin de cette émission, nous allons nous intéresser au sport. La Fédération guinéenne du football s'est prononcée ce samedi sur les accusations d'abus sexuels au sein de l'Académie de Nongo. Au sein de l'Académie de Nongo, j'allais dire, l'instance dirigeante du football guinéen dut prendre au sérieux les accusations d'abus sexuels au sein de l'Académie qu'elle gère. Dans un communiqué, la Fédération guinéenne de football souligne qu'elle souhaite informer le public de sa position et de mesures prises suite aux récentes allégations d'abus sexuels de l'Académie de Nongo. Fédération guinéenne de football s'est prononcée sur les accusations d'abus sexuels, j'allais dire. Alors, la Fédération rassure les parties prenantes, notamment la FIFA, l'Agence française de développement, que l'affaire est désormais entre les mains de l'Office de protection des arts de l'enfance et de mers au Prozem, qui mènera une enquête approfondie pour établir les faits. En attendant les résultats de cette enquête, 5 entraîneurs sont suspendus à titre préventif, dont le sélectionneur du Sili national. Pour en savoir davantage, nous recevrons dans cette émission, à la dernière partie, bien entendu, notre spécialiste de la maison, Amadou Major Diallo. C'est tout pour le menu de ce lundi. Le débat, c'est après cette transition. Dans un monde médiatique où la surcritique prospère, où les solutions sont voilées. Bonjour à Conakry, bonjour à tous ces auditeurs et téléspectateurs qui nous attendaient impatiemment. Heureux de vous retrouver. Chez moi, il y a de l'eau. Il vit à Sonfonia. Il y a de l'eau, pas il, comme à la cité. Ils escaladent pour descendre, ouais, et chercher de l'eau, escalader encore pour remonter. On mettait de l'eau dans une bouteille, on voulait faire du thé. On avait trouvé toutes sortes d'ordures, y compris même des fourmis là-dedans. J'ai ouvert le robinet, l'eau a commencé à couler. Par après, quand j'ai pris les deux pagnes, ce n'était que de la poussière, de la saleté. Le Scanner, c'est l'émission du débat constructif. Monsieur le directeur Abou. C'est parti pour 90 minutes de débat dans ces studios et sur ces plateaux. Mes amis de tous les jours, Mohamed Loba, bonjour. Bonjour Yaya et bonjour à tout le monde. Bienvenue.
Merci et je vous annonce que j'ai laissé le courant à la maison aujourd'hui. Bien, merci. L'année de même pour moi. Sûrement que les barrages commencent à s'emplir. Le président a dû prendre sa responsabilité. Surtout, je vous l'avais dit l'autre fois, le président s'est saisi du dossier, c'est tout. Bon, on peut dire que ça continue. Peut-être que celui qui a l'habitude de couper, il s'est endormi ou peut-être qu'il a passé un week-end long. Le général du corps d'armée, le général Mamadi Doumbouya, est passé par là. On attend de voir. On souhaite que ça continue. C'est de là qu'il s'agit. Sinon, on va partir avec des choses. On vous a appris ce qui s'est passé au palais Mohamed VI. Ah ben oui, mais ça, je ne veux pas en parler. Bien. Cheikh Yamoussa Cheikh, journaliste à Siam Info. Bienvenue chez toi, mon cher ami. Merci, mon frère. Yeah. Merci. Merci. Faudé de Bangali Dansoko, bonjour, bienvenue. Bonjour mon cher ami, bonjour à toi. Merci. De la même manière, il y avait le cours à la maison, donc on s'est bien réveillé quand même. Bien. Non, mais il faut simplement dire que le rappel à la primature de Bangali Mati peut-être a donné raison. L'ancien directeur. Oui, oui, c'est remis ménage quand même. C'est une réalité dans l'ensemble. C'est pas parce que quelqu'un a pris sa responsabilité. Ouais. Maintenant, on va peut-être voir ce qui va se passer dans les deux jours, sinon. Ils ont quand même tendance à nous amadouer à un certain moment ça, et puis voilà ça. Il faut pas vite crier. Ça n'a rien à voir puisque le même dont on parle là, c'est lui qui a pris le décret pour mettre Mati là où il est aujourd'hui. Ouais. Donc ça sous-entend tout simplement, c'est la même personne la qui agit. C'est la présidence. C'est le général. Ce que moi je sais dire, une chose, je souhaite que cette amélioration continue. C'est tout. Okay. Voilà, peut-être qu'il a oublié de couper aujourd'hui chez moi. Pendant ce temps, il n'y a pas d'assez d'eau dans le barrage. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Il pleut partout sauf là-bas. Il pleut partout sauf là-bas. Là-bas, il y a un hangar. Hein. Quand l'eau, en fait, quand il pleut là, ça ne traverse pas. Ça n'engage que vous. On évolue. De toute façon, nous avons le courant et c'est l'important. Ce qui est important d'ailleurs. Ce matin, et pourquoi pas hier même, j'avais le courant chez moi. Moi, je n'en avais pas. Le courant est revenu à 0h. Bien, pour commencer cette émission, hier, dimanche 7 juillet 2024, c'était le jour de l'intronisation du calife général du Fouta, en l'occurrence Elaz Abdoul Kadiri Diomfo Diallo. Ah oui, l'événement s'est passé du côté de l'abbé, il faut le souligner, l'intronisation du calife Elaz Abdoul Kadiri Diomfo Diallo. Et il faut le rappeler, l'événement a été de taille, nous l'avons suivi à distance et... Pour Siam, nous avions notre correspondant qui était de ce côté-là, bien. Qui a couvert l'événement et qui nous a fait un compte-rendu assez fidèle. Absolument. Et qui est revenu un peu sur l'ambiance qui était, les invités tout autour, parce que le gouvernement y était représenté, les autres coordinations régionales des autres régions, il faut le préciser, étaient représentées, étaient là déjà. Oui. Il y a des invités venus de l'Asie, de l'Europe, de l'Amérique. Et donc, il y avait tout le monde pendant cette intronisation du calife général du Fouta. Oui. Voilà, qu'est-ce qui a marqué l'événement? C'est le discours du calife. Même s'il n'était pas là, il a fait quand même rendre son discours par le grand imam de l'abbé. Oui. Et dans ce discours... Elaz Badrouba. Oui, Elaz Badrouba, dans ce discours, Elaz Badrouba est revenu. C'est-à-dire, selon lui, le message du calife général... Par rapport aujourd'hui à l'union, non seulement Yaya Diallo entre les différentes coordinations des différentes régions, et aujourd'hui l'aspect politique quand même, un peu débarrasser ces coordinations-là de des questions politiques, comme on le rappelait la dernière fois, pour leur permettre d'agir en toute indépendance. En toute indépendance, ça c'est un, et de l'autre côté, faire bien leur mission, parce qu'elles pourront, ces coordinations, faire bien leur mission si elles ne sont pas quand même politisées sous le poids des questions politiques et autres. Et de l'autre côté, c'est permettre la pluralité, c'est-à-dire des organisations au Fouta. Parce que vous le savez, ça aussi c'est un autre pan. Il s'agit d'une démocratie en termes de création d'événements et d'organisations et autres, parce que si on ferme entre guillemets les portes à la création des organisations, donc c'est comme si on voulait
tout c'est-à-dire ramener à nous, mais de ce côté-là, le calife rassure de sa disponibilité pour tout le monde. Et voilà, l'événement s'est bien passé parce que je le disais, il y avait des membres du gouvernement qui étaient, le porte-parole était là et d'autres personnes. Absolument, beaucoup de personnalités venues de tous les horizons du pays, notamment la coordination de la Haute-Guinée, la coordination de la Basse-Côte qui a été représentée par Ella Souma, mais aussi la forêt aussi. Yamoussa Cheikh, un mot là-dessus. Et oui, justement, beaucoup de représentations de ce côté-là. Bon, on salue quand même l'aspect rassemblement qui a marqué en tout cas l'événement. Mais si il y a quelque chose de quoi nous devons nous réjouir, c'est l'aspect que vient de signaler tout à l'heure Mohamed Ba, par rapport à ce caractère plus ou moins politique qui guette et qui hante nos structures sociales, religieuses, entre autres. Et comme vous le savez, Fouta d'ailleurs, Fouta elle représente une grande communauté dans son ensemble, en fait, en ce qui concerne le visage de la Guinée, si nous regardons un peu la situation. Et donc, et si on nous dit qu'aujourd'hui, nous allons nous battre pour faire face à cet aspect politique qui, de temps en temps, essaye de noircir nos organisations, nos structures à l'interne, pour moi, c'est vraiment une chose à saluer et il faut vraiment apprécier. Mais ce qu'il faut toujours ajouter, c'est de veiller à ce que la parole, l'acte soit lié à la parole. Absolument. Et parce qu'on a comme l'impression que souvent, lors de ces cérémonies d'intronisation, des halifs, entre autres, on a comme l'impression que souvent les gens se base sur les mots et parce qu'on veut dire ce que les autres veulent toujours entendre, mais au fond ce n'est pas ce qui se passe. Et si nous regardons aujourd'hui en Guinée tout ce qui se passe politiquement, socialement, on a comme l'impression que parfois les gens sont absents, alors que la mise en place de ces structures à la base de ces organisations socio-religieuses, on nous dit que vraiment il y a un rôle à jouer. Il ne s'agit pas de venir là faire une grande organisation, faire appel à toutes les organisations parallèles, absolument, à tous les partenaires par-ci, par-là, faire appel aux membres du gouvernement pour nous dire que non, nous assistons à l'intronisation dont Alif de Fouta, mais il faut un rôle à jouer. Il faut le rappeler, la première autorité morale et religieuse. La première autorité morale et religieuse de Fouta Diallo. Mais donc, il faut ajouter qu'il a un rôle à jouer. Et si, pendant qu'il rien ne va pas dans le pays, j'espère qu'on a besoin de nous adosser sur ces personnes-là. Absolument. Et ces personnes sont vraiment importantes dans la vie, dans notre vie sociopolitique même. Absolument. Exactement. Et donc, il faut y veiller. Et en ce qui concerne l'organisation, il n'y a rien à dire. Ça a marqué à travers ce que nous avons vu et ce que nous avons lu sur les grands sites d'information du pays. Absolument. J'espère que le coup d'envoi est donné. Et la suite, on va la suivre exactement. Dans ce cas, le calife ne sera ce que les fils du pays veulent qu'il soit, c'est-à-dire le respecter à la lettre. Oui, c'est bien dit, c'est très bien dit, parce que ce qui est à saluer dans cet événement, c'est en fait la façon dont l'organisation a été faite du côté de l'abbé. Moi, j'ai l'impression quand même que les coordinations sous-régionales issues de la région du Fouta Diallo sont vraiment des organisations honorables. Je le dis en connaissance de cause parce que la dimension de l'organisation qu'ils font à chaque fois et m'amène à dire cela, qu'il y a assez de sérieux, il y a assez d'observation, il y a assez de prise de conscience du côté de ces différentes organisations. Parce que hier, j'ai pris un peu le temps de fouetter un peu l'histoire pour savoir réellement ce que veut dire calife. Parce que le califat a été créé depuis le XVIIIe siècle. Et c'était lors des guerres de succession pour pouvoir s'affirmer, donner quelque chose, une lueur ou une luminosité à l'islam. Parce qu'au départ, ce n'était pas une guerre strictement ethnique ou une guerre strictement communautaire, mais c'était une guerre pour l'islam. Une guerre religieuse. Et religieuse. Pour l'instauration de l'islam. Donc les califats ont joué un rôle
important dans le rassemblement des peuples du Fouta. Ouais. Parce que il y a, je dirais, il y a, c'est une peuple cosmopolite. Ouais. Donc les gens ne le savent pas, mais souvent ils décrivent le Fouta en tant que langue, le poulard. Ouais. Mais c'est cependant pas le poulard. Le poulard est une langue, mais il y a les peuples, parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres. Ouais. Donc les califes font de clés de voûte de rassemblement de ces différentes communautés, ouais, au sein d'une idéologie qui était d'abord basée sur l'esprit religieux, ouais, mais après maintenant le développement, l'agriculture, les prises en charge, ainsi, ouais, de suite, pour pouvoir quand même donner une organisation sociale, ouais, et à la communauté. Ouais. Donc, une fois de plus, moi je dis bravo, parce que pour la petite histoire, vous vous souviendrez quand même, ou accepterez quand même de partager mes propos en 2018, lorsque le feu sans loi a été investi au stade, comment dirais-je, Nongo. Ouais. C'était pour moi quelque chose d'extraordinaire quand même. Ouais. C'était la première fois, ouais, qu'on voit quand même le représentant des Hal Poulard et autres s'investir dans un grand stade pour la première fois. Ouais. Je dis, mais assez de sérieux, assez de considération quand même, ouais, du côté de la communauté à la base, ouais, vers leur chef. Ouais. Cela est important. Il faudrait que nos différentes communautés en Guinée, je parle spécifiquement des autres, il faudrait pas qu'ils s'inscrivent dans un esprit de division ou d'un esprit de manipulation politique où ils sont pris en otage par les politiciens. Absolument. Mais qu'ils apportent de l'eau à la moule pour la paix. Il faudrait qu'ils soient en fait des personnes morales. Ouais. Cela permettra quand même de nous amener de l'accalmie dans la cité. Absolument. De la cohésion, ouais, de l'amour. Cela est important. Une fois encore de plus, bravo à l'organisation, bravo vraiment au nouveau calife qui vient d'être investi. Je pense qu'il est plein de sagesse, parce que j'ai suivi des interventions de part et d'autre sur invoquant quand même leur propre ressentiment à l'égard de la personne de ce monsieur. Absolument. Mais je me trompe pas, quand même le Fouta quand même est en train de faire son chemin vraiment vers une organisation solide et pour le futur. Voilà ce qui est bien dit, qu'au-delà de son titre de calife, au-delà de sa mission de réunir la communauté Hali Poulard, les Foulbé, mais aussi c'est d'aller vers les autres communautés pour essayer effectivement de rabibocher les positions et cacher tout ce qui est construit et qui pouvait à un certain niveau créer ce qu'on appelle la méfiance entre les différentes communautés. Donc cacher ce mur-là, c'est sa première mission, en tout cas en ce qui concerne ce nouveau calife donc général. Donc je le disais, il ne sera ce que les fils du pays l'ont bien voulu qu'il soit. Parce que comparativement au Sénégal, nous savons ce que cela veut dire un calife général. C'est-à-dire que même les présidents de la République s'inclinent devant les califes. Même au Nigeria. C'est, ouais, des personnalités vénérées, respectueuses, donc respectables. Donc je crois que c'est important que cela soit pris en compte. Mm. Au-delà de la dimension de la cérémonie, mm-hmm, il faut que les uns et les autres comprennent effectivement. Il faut les respecter, c'est en cela qu'ils seront ce que nous avons bien voulu. Oui, Mohamed Loba, vous voulez une précision? Oui, je voulais un peu revenir sur le message du calife, ouais, ce message de réconciliation, c'est-à-dire ce message qui parle de s'opposer aujourd'hui à toute idée divisionniste. Donc, je m'en vais faire lecture de ce message qui a été rendu par le grand imam Ilyas Badourou. Il lit le message du Fouta que nous voulons transmettre désormais aux fils du Fouta, aux autres régions, voire à l'étranger. Tout partira du calife. Le calife me charge de vous dire, c'est Ilyas Badourou qui le disait, vous dire que nous ferons ce travail dans la fermeté et le respect mutuel. Il me charge également de vous transmettre qu'on arrête désormais d'accuser le Fouta ou de demander de mettre fin à la servitude et à la domination, esclavage, etc. Il n'y a pas de servitude au Fouta. On demande de cesser une pratique qui existe et qui existe. Cette servitude n'est pas au Fouta. Qu'on demande plutôt au Fouta d'œuvrer à partager son sens d'amour, de paix, d'entente, de cohésion et de stabilité dont on lui reconnaît la manière par laquelle la servitude a cessé au Sénégal, au Mali, en Mauritanie et dans toutes les régions du pays. La servitude a cessé au Fouta aussi. Nous prions tous de ne pas passer par une autre personne pour toucher des sages du Fouta sur des questions de servitude. Ce sont des pratiques qui n'existent pas
ici, ouais. Le Fouta, c'est le symbole de l'unité. Alors, c'était un autre pan qu'il fallait quand même rappeler par rapport à cette question de servitude. Vous savez ce que je veux dire, ce que cela veut dire quand on parle de servitude. Donc c'était déjà des pratiques très anciennes qui avaient très mais quand qui même... existaient néanmoins. Oui, qui existaient. Ça a été rappelé qu'il y avait quand même très un peu à de l'esclavage. Il faut le rappeler. Alors aujourd'hui, on a eu une assurance dans ce sens-là que déjà que c'est une histoire très lointaine, très ancienne. Dévolue. Aujourd'hui, révolue, tout ce qu'il faille faire quand même, c'est la conjugaison aujourd'hui des efforts pour combattre la division, parce que souvent, c'est ce qui... C'est ce qui oppose les gens par rapport à ces questions, on le disait tout à l'heure. Et qui crée ces sentiments de frustration. Évidemment, des questions politiques, souvent, et à un moment, il faut, comme ils le disent, mettre fin à tous ces débats politiques, surtout au sein de ces coordinations régionales. Bien, voilà ce qui est bien dit. Nous marquons une toute petite pause, au temps pour nous d'introduire notre premier invité. Bakar Camara, le jeune Akida, journaliste, dit qu'il vous a écrit plusieurs fois. Stabilité économique là qui va s'accroître et c'est pas bon pour notre république. Nous ne sommes pas dans une république, mais nous sommes dans une républicophile. Il faudrait pas crier à Uaja, il faut quand même saluer d'une part les efforts du gouvernement. Le ministre Ousmane Gawal nous dit que bientôt le bateau va accoster, très bientôt, parce que très bientôt c'est vague. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées. Bonjour à Conakry, bonjour à tous ces auditeurs et téléspectateurs qui nous attendaient impatiemment. Heureux de vous retrouver. Chez moi, il y a de l'eau. Il vit à son fognon. Ils escaladent pour descendre et chercher de l'eau, escalader encore pour remonter. De l'eau dans une bouteille, on voulait faire du thé. On avait trouvé toutes sortes d'ordures, y compris même des fourmis là-dedans. T'as ouvert le robinet, l'eau a commencé à couler. Par après, quand j'ai pris les deux pains, ce n'était que de la poussière, de la saleté. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Monsieur le directeur Aboubakar Camara, le jeune Akida, journaliste, dit qu'il vous a écrit plusieurs fois. Stabilité économique là qui va s'accroître et c'est pas bon pour notre république. Nous ne sommes pas dans une république, mais nous sommes dans une républicophile. Il faudrait pas crier à Uaja, il faut quand même saluer d'une part les efforts du gouvernement. Le ministre Ousmane Gawal nous dit que bientôt le bateau va accoster, très bientôt, parce que très bientôt c'est vague. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées. Bonjour à Conakry, bonjour à tous ces auditeurs et téléspectateurs qui nous attendaient impatiemment. Heureux de vous retrouver. Chez moi, il y a de l'eau. Il vit à son fognon. Ils escaladent pour descendre et chercher de l'eau, escalader encore pour remonter. De l'eau dans une bouteille, on voulait faire du thé. On avait trouvé toutes sortes d'ordures, y compris même des fourmis là-dedans. T'as ouvert le robinet, l'eau a commencé à couler. Par après, quand j'ai pris les deux pains, ce n'était que de la poussière, de la saleté. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Monsieur le directeur Aboubakar Camara, le jeune Akida, journaliste, dit qu'il vous a écrit plusieurs fois. Stabilité économique là qui va s'accroître et c'est pas bon pour notre république. Nous ne sommes pas dans une république, mais nous sommes dans une républicophile. Il faudrait pas crier à Uaja, il faut quand même saluer d'une part les efforts du gouvernement. Le ministre Ousmane Gawal nous dit que bientôt le bateau va accoster, très bientôt, parce que très bientôt c'est vague. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif.
Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées. Bonjour à Conakry, bonjour à tous ces auditeurs et téléspectateurs qui nous attendaient impatiemment. Heureux de vous retrouver. Moi, il y a de l'eau. Il vit à son fognon. Ils escaladent pour descendre et chercher de l'eau, escalader encore pour remonter. On de l'eau dans une bouteille, on voulait faire du thé. On avait trouvé toutes sortes d'ordures, y compris même des fourmis là-dedans. J'ai ouvert le robinet, l'eau a commencé à couler. Par après, quand j'ai pris les deux pagnes, ce n'était que de la poussière, de la saleté. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Monsieur le directeur Aboubakar Camara, le jeune Akila, journaliste, dit qu'il vous a écrit, C'est parti pour 60 minutes de débat. Merci de votre fidélité renouvelée dans notre émission, le scanner. Je vous le disais à l'entame de cette émission, la première édition des États généraux de l'agriculture et de l'élevage a pris fin. C'est vendredi 5 juillet 2024. L'événement a réuni plus de 850 participants venus de tous les horizons du pays, mais aussi de l'extérieur, dont l'objectif est de rassembler les principaux acteurs du secteur agro-pastoral pour discuter des défis et opportunités, mais aussi élaborer des stratégies durables pour le développement du secteur. Comment les acteurs du secteur agricole ont-ils accueilli cette première édition? Quelles sont les difficultés auxquelles ces acteurs sont confrontés au quotidien? Qu'attendent-ils de l'État après cette première édition? Pour répondre à toutes ces questions, nous recevons dans ce studio et sur ce plateau Ibrahim Dédialo. Il est le président de la coopérative agro-pastorale Foutagri-Farm, dont l'objectif est d'assurer l'amélioration de revenus des exploitants agricoles, la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations, la réduction de la dépendance alimentaire du pays, mais aussi la lutte contre l'exode et la pauvreté en milieu rural. Monsieur Diallo, merci, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup et merci pour nous avoir invités et bonjour à tous vos téléspectateurs. Merci. La première question, vos premières impressions de cette première organisation, j'allais dire, de ces états généraux, première déjà dans notre pays ici. Dites-nous vos sentiments par rapport à cette organisation. Merci beaucoup pour la question et je pense que, comme vous l'avez bien dit, c'est une première en République de Guinée, de nos souvenirs proches. Je pense que même si ça a été organisé dans le temps, mais en tout cas c'est une première. Yeah. Et je pense que les États généraux ont été les bienvenus pour poser un bon diagnostic du secteur agricole, faire un diagnostic, comprendre un peu les contraintes auxquelles font face les acteurs du monde rural. Et je pense que ce diagnostic a été bien posé parce que les gens ont été invités, ils ont eu à débattre, les gens ont bien communiqué. Les contraintes qu'ils rencontrent sur le terrain, et je pense que c'était vraiment un pas de géant. Comme je disais, pour faire ce diagnostic précis du monde rural et des besoins des agriculteurs et des éleveurs. Alors aujourd'hui, selon vous, après tous ces diagnostics que vous êtes allés déjà ici, et on parle de plus de 800 et quelques participants. 850 participants ouais, venant des autres pays et des acteurs du monde agricole de la Guinée. Qu'est-ce qui va être fait de votre côté? De notre côté, je pense que on a quand même posé pas mal de questions. On a essayé de dire exactement aux autorités quels sont nos problèmes. Il y a eu pas mal de débats autour des grandes questions, autour des grands défis du secteur agricole. On peut dire que maintenant le diagnostic étant fait, il y a pas mal d'attentes de la part des autorités. Comment ce diagnostic va être traduit en faits réels sur le terrain pour que, au sortir de tous ces processus, que le monde rural sente que ce diagnostic posé a permis de solutionner en tout cas leurs problèmes pour pouvoir développer le secteur agro-élevage, le secteur agro-agricole et d'élevage à République de Guinée. Bien, Yam Sacheke. Ça, ok. Bon. Vas-y. Durant trois jours de défilés, des discours, justement, on parle des états généraux, de l'agriculture, mais aussi de l'élevage. C'est quoi le défi, selon vous, après ces trois jours de diagnostic dont vous parlez? Les défis sont énormes. Si on prend le secteur agricole en général, je pense qu'en République de Guinée, le premier défi d'abord,
c'est le problème lié au foncier rural. Donc le foncier rural, du fait que jusqu'à présent, c'est difficile d'acquérir une terre qui soit sécurisée, qui détient les documents nécessaires pour pouvoir faire un investissement de long terme. Donc ça, c'est un premier défi. Le deuxième défi, comme vous savez, notre agriculture actuellement est très traditionnelle. Il y a un problème de mécanisation de l'agriculture en général. Si vous voulez développer un secteur aussi stratégique que l'agriculture, la première chose à faire, c'est de mécaniser l'agriculture, moderniser l'agriculture. Ouais. L'autre élément qui a été aussi diagnostiqué, c'est le problème d'intrants. Le problème d'intrants agricoles, on peut parler des engrais, on peut parler des semences. Mettre à disposition des agriculteurs des semences de qualité, des engrais de qualité et dans les délais à respecter le calendrier agricole. Donc c'est un défi à la République de Guinée. Parce que la plupart du temps, même si on met à disposition ces intrants, ils viennent en retard. Donc ça, c'est un autre problème. L'autre élément qui a été aussi beaucoup débattu, beaucoup discuté, c'est le manque de financement du secteur agricole. Donc les paysans, les agriculteurs, ils n'ont pas accès au financement. Souvent, on dit qu'il y a pas mal de financement, mais vous savez qu'il y a pas mal de contraintes, de conditionnalités liées à ces financements auxquels les paysans, s'ils ne sont pas accompagnés, ils ne peuvent pas avoir accès à ces financements. Souvent, ce sont des financements doivent être, on peut dire, garantis par quelque chose, et c'est quelque chose, souvent les paysans n'en ont pas. Donc c'est parmi aussi ces défis qui ont été discutés lors de ces états généraux. Sinon, il y a d'autres contraintes, on peut dire, liées à la maîtrise technique même de l'agriculture. Aujourd'hui, il y a un accompagnement des techniciens de l'agriculture qui s'est fait, mais on peut dire qu'il y a quand même un gap pour couvrir, on peut dire, le paysan de Yomou jusqu'à Gawal, jusqu'à Kundara, et voilà, Yukunkun, et vraiment faire le tour de la Guinée. Et donc cet encadrement du secteur agricole, c'est un autre défi majeur, on peut dire, pour développer le secteur agro-pastoral de la République de Guinée. Sinon, il y a pas mal d'autres contraintes, mais en tout cas, je pense que ce diagnostic a permis de faire le tour de la question et de débattre clairement quels sont ces problèmes. Et à partir de là, je pense que maintenant, le regard sont tournés autour du département technique en charge. Ah oui, mais justement, le débat ne tournait pas, autour de l'agriculture seulement. Il y a eu des questions qui ont été soulevées et, du côté de l'élevage également, on a comme l'impression. Voilà, les défis sont énormes dans ce secteur. Est-ce qu'on peut en savoir? Oui, pour le domaine de l'élevage, je pense que parmi les contraintes, si on peut dire comme ça, ou les défis, il y a premièrement le problème de la santé animale, qui représente un défi. Aujourd'hui, je pense que le secteur de l'élevage doit beaucoup se pencher sur cette question. Il y a l'alimentation animale qui se pose. Si vous prenez le cas de l'aviculture, donc la production de poulet, c'est un défi d'avoir les aliments dans les délais et à temps et des aliments suffisants en République de Guinée. Parfois, on importe même le maïs qu'on donne à nos poulets. Et l'autre élément aussi qui a été beaucoup débattu, c'est le fait qu'aujourd'hui, le consommateur guinéen consomme du poulet congelé venant d'ailleurs, importé, et que ce poulet n'est pas de bonne qualité parce que c'est souvent des poulets qui sont conservés plusieurs années et qu'on reçoit ici. Donc la question de qualité pose de sérieux soucis. Donc il y est lié aussi à ça, la santé humaine, la santé de notre la santé de notre population. Donc d'autres éléments aussi en lien toujours à la production animale. Comme vous savez, il y a pas mal d'espèces qui sont élevées en République de Guinée. Aujourd'hui, si on prend le cas de bovins, des ovins et des caprins, on utilise beaucoup plus les races locales. Donc, il y a le problème de croisement pour améliorer un peu ces cheptels, pour augmenter la productivité à lait. Par exemple, il faut faire le croisement pour avoir cette productivité.
Mais si on prend le cas, l'exemple des pays, on peut dire à côté ici, comme le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, ils sont beaucoup plus avancés que nous. Chose qui devrait être le contraire, parce que nous, quand même, on a pas mal de parcours qui peuvent être utilisés pour développer le secteur d'élevage en République de Guinée. Alors, vous le disiez dans vos propos tout à l'heure, par rapport à l'accès, c'est-à-dire aux intrants agricoles par les paysans et autres. De votre côté, selon vous, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui faire pour rendre tout cela possible? Parce que l'accès au financement, l'accès aux intrants agricoles, sans ça, c'est difficile de lier l'acte à la parole aujourd'hui. Tout à fait, comme vous venez de le dire, personnellement, moi je suis agronome, je suis du secteur, j'ai beaucoup évolué à l'international. Bien. Par rapport à ce qui se fait dans d'autres pays, je pense qu'il y a une planification à faire. Bien. Aujourd'hui, l'agriculture doit être réfléchie, pas en campagne agricole, mais on doit mettre en place une politique à moyen et à long terme. Donc ça veut dire qu'il faut poser le diagnostic comme ça a été fait maintenant, quels sont les besoins, et sécuriser l'accès aux intrants suppose avoir une fourniture continue qui ne soit pas liée uniquement à la campagne de 2024-2025, mais plutôt réfléchir à au moins 5 ans, garantir une disponibilité d'abord en quantité suffisante. Le deuxième élément, même si ces intrants sont disponibles localement en quantité, il faut que les paysans puissent avoir les moyens nécessaires pour pouvoir les acheter. Donc ça veut dire qu'on peut, comme ce qui se fait dans d'autres pays, il y a souvent des prêts qui se font aux agriculteurs, on peut dire ça, c'est sous forme de crédit campagne. Je pense que le département de l'agriculture le fait, mais pour le moment à petite échelle. Mais à long terme, ça pourrait être plus systématisé. Donc, c'est de mettre à disposition aux agriculteurs les intrants pour qu'eux, ils puissent rembourser à la fin de la campagne. Parce que souvent, comme ils n'ont pas les moyens nécessaires pour les acheter, donc ça pourrait être fait de cette façon. Sinon, l'autre élément aussi, c'est de les faciliter l'accès au crédit. Donc, l'accès au crédit avec les institutions financières, soit avec des financements à travers des projets. Et donc ça pourrait même augmenter notre capacité, la capacité d'absorption de la Guinée des investissements. Si vous comparez toujours avec d'autres pays de la sous-région, le budget de l'agriculture, je pense que on peut dire en République de Guinée, sauf ces dernières années quand même qu'il y a eu des efforts qui ont été faits, donc il est vraiment inférieur à ce qui se fait au niveau du Sénégal ou bien au niveau même du Burkina Faso ou d'autres pays. Bien, jusque là, le FODA, hein, parlons-en, dites-nous à date quel est le taux en tout cas d'accessibilité à cette institution qui devrait quand même en réalité accompagner les acteurs disons de l'agriculture. À ma connaissance, je pense que le FODA a mis à disposition les équipements nécessaires pour pas mal d'agriculteurs. Bien. Ils ont mis en place des financements pour permettre aux agriculteurs d'avoir accès justement aux intrants pour certaines filières. Mais comme je disais, l'agriculture c'est beaucoup plus complexe que ça. Bien. Et les paysans sont beaucoup plus nombreux. Si on prend la population guinéenne aujourd'hui, on peut dire environ 70% de la population évolue dans le monde agricole. Donc leur activité, on peut dire principale, c'est l'agriculture. Aujourd'hui, si on prend le taux d'accès peut-être à ces financements à travers le FODA, il est encore timide par rapport aux besoins au niveau de pays. Donc je pense que c'est d'abord d'augmenter cette enveloppe, d'augmenter les différents types de financements que le FODA met en place, mais aussi permettre à plus d'acteurs du monde rural d'avoir accès à ces financements. Donc c'est un peu ça. Bien. Alors justement, le Premier ministre, lors de cette rencontre, a encouragé la culture du manioc. Selon lui, cela peut permettre aux agriculteurs de sortir la tête sous l'eau. Et que pensez-vous de cet avis? Personnellement, étant spécialiste du secteur, je pense que c'est une bonne analyse. Pour deux raisons simples. La première raison, c'est que nous pouvons être très compétitifs à travers le manioc. Comparé à d'autres pays,
C'est-à-dire aujourd'hui, c'est vrai que la population guinéenne consomme à majoritairement le riz, mais des exemples nous viennent du Nigeria, où aujourd'hui la production du manioc est très élevée, et il y a même carrément de grands producteurs qui se sont spécialisés uniquement à la production du manioc. Et si on prend aussi le manioc, comme disait le Premier ministre justement, le manioc, il est utilisé, quasiment toute la plante est utilisée. Bien. Les feuilles sont utilisées pour les sauces. Les sauces. Vous prenez le Guinéen lambda, vous l'invitez avec un plat de riz à sauce, sauce de feuilles de manioc, il ne va jamais vous refuser de venir vous joindre à vous. Ouais. Et l'autre élément aussi, c'est que vous prenez la plante elle-même, donc elle est réutilisée comme pour les besoins des semences, ouais. Voilà, comme bouture, ouais. Donc pour replanter encore. Et les tubercules, les racines, donc sont utilisées pour la consommation. Donc il y a rien qui est perdu. Donc je pense que c'est avec raison suffisante que le Premier ministre dit qu'on pourrait bien se concentrer sur le manioc. Mais moi je dirais oui le manioc, mais il y a pas mal d'autres filières, wow, sur lesquelles la, wow, Guinée peut être très compétitive aussi. Alors Monsieur Diallo, aujourd'hui avec tout ce qui a été discuté lors de ces états généraux là, selon vous qu'est-ce qu'il faut pour lier l'acte à la parole, et qu'est-ce qui selon vous avait manqué pour ne pas aujourd'hui qu'on retrouve quand même le secteur agricole à un certain niveau comme vous le disiez tout à l'heure par rapport à certains pays de la sous-région? Très bien, ça c'est vraiment la grande question. Je dirais que bien beau de faire beaucoup de discours, bien beau de poser un diagnostic précis, bien beau de faire des recommandations sur des points très précis, mais oui, comment les concrétiser? Les concrétiser, c'est là où vraiment aujourd'hui le monde rural, le paysan de Yomou, le paysan de Yukunkun attend le gouvernement guinéen. Et à ce niveau-là, je pense que parmi tous les diagnostics qui ont été posés, il y a le besoin de financement du monde rural. Donc à ce niveau-là, il y a beaucoup à faire de la part du gouvernement. L'autre élément, par rapport à tous les points qui ont été soulevés lors des débats de ces états généraux, donc la part belle à faire, ça revient au gouvernement guinéen. Donc à partir de là, je dirais que c'est lié l'acte à la parole. Je pense que aujourd'hui, je le disais en rigolant avec un ami, je dirais que le gouvernement s'est mis une corde au cou. Comment? Parce que si avant, on ne savait pas exactement le problème du monde agricole, aujourd'hui, un diagnostic précis a été posé. Absolument. Maintenant, les yeux sont tournés vers le gouvernement. Comment concrétiser? C'est, on peut dire, comment traduire ces diagnostics posés en réalité sur le terrain. Bien. Pour que ça impacte l'agriculture, ça impacte le monde rural. Pour que ça puisse développer le secteur agroalimentaire dans notre pays. Sachant que l'agriculture seule peut avoir une contribution à hauteur d'au moins 50% du PIB. Bien. Qui peut facilement concurrencer même le secteur minier. Donc à mon avis, je pense qu'il y a un grand travail à faire au niveau du département en charge de l'agriculture pour traduire l'acte à la parole. Les dirigeants quand même, lors de ces états généraux, le gouvernement s'est engagé, c'est-à-dire par rapport à tout ce qui est lié aujourd'hui à ces diagnostics qui ont été déjà faits. Selon vous, il faudra commencer par où? Donc, ou par quoi? Je pense que le diagnostic étant posé, les recommandations étant bien formulées, le premier élément est d'abord de voir l'appareil étatique. Est-ce qu'elle fonctionne? Est-ce que... Vous voulez parler du département? Oui, en question. Le département en charge de l'agriculture, bien. L'encadrement. Est-ce que aujourd'hui les moyens humains pour pouvoir traduire ces recommandations en actes réels sur le terrain est là? Donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, est-ce que les moyens financiers dont dispose aujourd'hui le gouvernement guinéen, que ce soit à travers les bailleurs bi- et multilatéraux, que ce soit à travers juste des financements privés, est-ce que
on peut dire ces moyens sont là pour pouvoir entamer et commencer déjà à mettre en œuvre les recommandations de ces états généraux. Ouais. Donc ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, vous savez, dans notre pays, ouais, on aime beaucoup parler. Ouais. On fait beaucoup d'études, on fait beaucoup d'analyses, on pose beaucoup de diagnostics. Mais quand il s'agit de traduire ouais, ces recommandations ou ces diagnostics en faits réels, là, ça a toujours été un bémol, a été un problème. Donc, à mon avis, je pense qu'il y a un grand travail à faire au niveau du département technique, justement, pour faire cela. Alors, vous êtes le président d'une coopérative qui s'étend, disons, majoritairement sur toute l'étendue du territoire national. Dites-nous à date, bien avant que cette édition, première édition, n'ait lieu, dites-nous les difficultés auxquelles vous êtes rencontrés. De manière générale, les difficultés auxquelles les agriculteurs sont confrontés dans le cadre de la mise en œuvre de leurs projets à l'intérieur du pays. Merci beaucoup. Donc, comme vous l'avez dit, je suis le président d'une coopérative qui s'appelle Foot Agri-Farm. C'est une coopérative très jeune. Donc, elle a été mise en place il y a à peine une année. Mais sur le terrain, on a déjà commencé à poser des actes réels sur financement propre déjà. On a mis en place environ 200 hectares de riz au niveau de Touguay. Et il y a d'autres projets en vue. Je pense que l'un des problèmes auxquels on s'est confronté, le premier élément, comme je disais, c'est à avoir des parcelles sécurisées pour pouvoir faire des investissements. Vous savez, si vous avez une parcelle, que vous avez loué la parcelle ou que vous l'avez achetée, si vous n'avez pas les documents nécessaires, c'est difficile de faire un investissement parce que quelqu'un peut se réveiller demain et vous dire que non, cette parcelle ne vous appartient pas, elle m'appartient à moi. Donc la sécurité foncière d'abord. Le deuxième élément pour nous, c'est l'accès aux équipements agricoles adaptés. Vous savez, pour emblaver autant de terres, vous ne pouvez pas le faire à la main et à la daba. Absolument. Donc il faut obligatoirement avoir les tracteurs, il faut avoir essentiellement aussi les moissonneuses batteuses pour pouvoir récolter si vous avez produit. Et il y a les unités de stockage. Vous savez qu'aujourd'hui, dans l'arrière-pays, avec le problème d'accessibilité, donc même si vous récoltez, pour avoir accès au marché, c'est compliqué. Donc il y a tous ces paramètres-là qu'il faut prendre en considération. L'autre élément aussi, c'est que aujourd'hui, si vous produisez, vous voulez vendre, il y a quand même l'importation, par exemple pour le riz et tout, dans d'autres pays, pendant la récolte, il y a une sorte de limitation de l'importation. Donc il y a une sorte de concurrence et les agriculteurs sont obligés de vendre leur production à prix cassé juste après la production, sans pouvoir les conserver, les transformer. Donc nous, on s'est positionné aussi dans la transformation pour pouvoir valoriser justement cette production locale. Donc, il y a pas mal d'aspects à voir dans ce sens-là, en termes de contraintes, en termes de besoins. Donc, je pense que, voilà, comme je disais, la mécanisation, la transformation, le stockage, la mise en marché. Alors, justement, en parlant des difficultés, vous êtes agriculteur et il y a un problème aussi aujourd'hui à l'intérieur du pays entre vous et les éleveurs. Vous le savez, il y a un conflit qui existe existentiel depuis longtemps, ouais, entre ces deux communautés. Et comment vous le percevez aujourd'hui? Et puisque le diagnostic a été fait lors des états généraux, est-ce que la question a été posée? Et si oui, est-ce que les réponses données vous ont été favorables et satisfaisantes? Personnellement, c'est une très bonne question. Merci de l'avoir posée. Je pense que il y a une loi qui a été amendée par je pense le Parlement en République de Guinée, ce qu'on appelle la loi pastorale. Donc cette loi pastorale, elle est très claire. Normalement, si on l'applique convenablement, le problème de conflit entre agriculteurs et éleveurs va être résorbé. Mais cette loi, elle a été amendée, je pense, récemment par le CNT. Et maintenant, là où on attend le gouvernement, c'est l'application. Bien. Donc souvent, comme je disais, oui, c'est bien de mettre en place les politiques, c'est bien de mettre en place les lois, mais il faut les appliquer sur le terrain.
Vous savez, normalement, pendant la période agricole, pendant la saison agricole, normalement, les éleveurs, ils ont l'obligation de prendre soin de leur bétail pour ne pas que ce bétail rentre dans les champs. Et alors que ce n'est pas appliqué. C'est appliqué dans certains endroits, mais dans la plupart de zones dans l'arrière-pays, cette loi n'est pas appliquée. Absolument. Aujourd'hui, elle a été amendée. Donc, il faut les degrés d'application et il faut les dispositions nécessaires pour que ça soit traduit en fait au niveau du terrain. Donc, je pense que c'est là où il y a vraiment une attente particulière de la part des paysans que nous sommes, pour, de la part du gouvernement. Donc, c'est un peu ça. L'autre aspect, moi j'insiste toujours dessus par rapport à l'accès aux intrants, vous l'avez dit. Et ces derniers temps-là, on a vu quand même le gouvernement qui importait des intrants et tout autre. Aujourd'hui, est-ce que vous pointez quand même du doigt à une répartition, peut-être disons inégale, dans de ces intrants-là entre les différents acteurs quand même du monde agricole? Oui, personnellement, je pense que il y a une bonne analyse qui doit être faite à partir des premières expériences de cette année, de l'année dernière, de la campagne passée, où c'est vrai qu'il y a eu des engrais, les engrais qui ont été distribués à l'intérieur du pays, mais nous paysans, on ne sait pas quelle a été la clé de répartition, sur quelle base on a envoyé les quantités de semences qui sont parties en Moyenne-Guinée, en Haute-Guinée, en Basse-Guinée, en Guinée forestière. Ça, c'est un. Deuxième élément, c'est que, comme je disais, ces intrants, ils peuvent arriver, mais s'ils n'arrivent pas à temps avec le calendrier agricole, ça pose problème. Et il y a aussi l'accessibilité à ces intrants. Donc, il y a tous ces problèmes-là. Donc, la répartition, je ne pourrais pas dire qu'elle a été inégalitaire, mais personnellement, je pense que c'est important que cette clé de répartition soit bien détaillée à tous les Guinéens. Pour qu'on parle défini. Voilà, exactement. Donc, on sache exactement sur quelle base on est en train d'envoyer les intrants. Et l'autre élément aussi, que ces intrants arrivent à temps et qu'ils puissent être répartis dans les différentes préfectures, même au niveau des différentes sous-préfectures. Aujourd'hui, on a quand même une visibilité des potentiels agricoles de pas mal de l'ensemble du territoire national. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'il y a un grand travail aussi à faire. J'ose espérer qu'à travers les états généraux, que les petites failles qu'il y a jusqu'à maintenant dans la répartition puissent être solutionnées aussi. Votre analyse par rapport aux semences importées, à l'occasion de ces journées de la campagne agricole hein, qui a été lancée tout récemment par le ministre de l'Agriculture du côté de Bella ou de Yomou, si je ne me trompe, il y a eu quelques semences culturales qui ont été, disons, mises en avant, donc importées, et pour lesquelles beaucoup de spécialistes, disons, remettent en cause leur qualité quant à l'adaptabilité à nos terres. Qu'en dites-vous par rapport à tout cela? Vous savez, le secteur semencier, c'est parmi les secteurs les plus sensibles, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que pour importer une semence, il y a, on peut dire, une procédure, pour pouvoir d'abord tester l'adaptabilité au sol, au climat et on peut dire aux conditions agroclimatiques en général. Bien. Et ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que souvent, les terres, nos terres sont peut-être très riches en fer ou riches en d'autres micro-éléments qui sont un peu, peut-être, qui ne peuvent pas être forcément favorable à ces semences importées si on ne les a pas testées. Donc, prendre le temps de tester ces semences, je pense que c'est très important. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de semences qui ont été développées avec l'aide de certaines institutions de recherche comme Africa Rice pour le cas du riz. Mais il faut vraiment que l'adaptabilité de ces semences soit bien testée avant de les mettre sur le marché guinéen. L'autre élément, moi je pense qu'aujourd'hui en Guinée, on ne devrait pas importer des semences, pour plusieurs raisons. C'est que ces semences qu'on doit importer, on peut les développer localement. Bien. Pourquoi ne pas le faire? Bien. Donc, c'est ce que je pourrais dire à ce niveau-là. Ibrahima Dédialo, il est le président de la coopérative agro-pastorale Foot Agri Farm. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci à vos téléspectateurs.
Et en tout cas, on vous remercie pour vous, pour tout ce que vous êtes en train de faire, pour pouvoir vulgariser ce que les gens font, et mais aussi aider à faire connaître le monde rural et ses défis. Merci. Merci. Bien, je vous le disais encore une fois, réunis ce samedi 6 juillet 2024 à Niamey pour leur premier sommet scellant ainsi le divorce avec la CEDEAO. Les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel AES ont placé cette première rencontre sous le thème « L'Alliance des États du Sahel, un espace souverain de sécurité et de prospérité ». Le général de Abdramane Tiani, le colonel Assimiou Goïta et le capitaine Ibrahim Traoré ont pris la décision de franchir une étape supplémentaire vers une intégration plus poussée, disent-ils, entre le Burkina Faso, le Mali, le Niger. Ils ont à cet effet adopté un traité instituant une confédération dénommée, j'allais dire, Confédération AES, et de la mise en place d'un fonds de stabilisation pendant ce temps, à l'occasion de l'ouverture du 65e sommet ordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Dimanche 7 juillet 2024 à Abuja, le président de la commission de la CEDEAO a mis en garde le Mali, le Burkina Faso, mais aussi le Niger sur les graves répercussions de leur divorce avec le bloc régional Fode Bangali Dansoko. Oui, et c'est avec, je dirais, bon, c'est avec une joie quand même pour moi de ma part de voir quand même ces États se dégager. Pour pouvoir prendre leur propre responsabilité vis-à-vis d'une organisation que je traiterai sincèrement de moribonde. Ouais. Parce que, qu'est-ce que vous appelez moribonde? Moribonde, c'est en fait... La fédération AES? Non, pas la fédération, la CEDEAO. La CEDEAO. Voilà, moribonde, en fait, c'est, elle est mourante, elle n'agit pas, elle a atteint ses limites. Ouais. C'est ça qu'il faudrait dire et faire comprendre aux gens, parce que c'est important que dès sa création en 1975 à Abuja au Nigeria, ouais, et l'idée était de privilégier la coopération et l'intégration africaine, ouais, au sein d'une communauté où les gens pouvaient se déplacer librement, où les gens pouvaient commercer librement, où il y aura une fluidité au niveau des frontières, ouais, et à travers les principes fondamentaux qu'ils ont mis à leur sein. Donc, même l'ingérence, la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays était quand même à l'ordre du jour. Bien. Mais très malheureusement, ouais, ce que nous avions constaté, ouais, avec amertume, ouais, la pilule quand même est difficile à avaler. Ouais. Il faudrait se dire la vérité que la CEDEAO s'est transformée à long terme en une boîte à résonance, ouais, du néocolonialisme. C'est ça la vérité. Parce que là, comment ça, du néocolonialisme? Le néocolonialisme, je le dis parce que toutes les décisions prises au sein de cette organisation, ouais, ne sont pas des organisations responsables. Des décisions responsables. Bien. Parce que on parle qu'elle est dirigée par une commission principale, ouais, dirigée par un chef, ouais, un président, ouais, aujourd'hui en la personne d'un certain Aliou Touré, bien, qui a eu l'audace de tenir un propos quand même que j'ai trouvé un peu déplacé. Ouais. Allez-y. Mais qui a attiré mon attention. Ouais. Lorsqu'il parle aujourd'hui d'une imposition, ouais, de visa sur les États défaitistes. Ouais. Donc cela est grave. Ouais. Et si les États dissidents, il faut le dire. Dissidents plutôt, je m'excuse. Ouais. Ouais. Si aujourd'hui l'ANS, l'Alliance des États du Sahel, a été créée au départ, ouais, pour dire non, ouais, aux actions dérivatrices de la CEDEAO, ouais, mais il faudrait saluer quelque part. Ouais. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas quand même quelqu'un qui aime faire la publicité, ouais, ou la promotion des coups d'État. Ouais. Mais ce qui reste à clair ou appréciable, ouais, c'est le courage politique que ces trois États ont eu à prendre. Yeah. Parce que regardez, le secteur sécuritaire était devenu quand même un élément très, 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 très malheureusement difficile à régler. Ouais. Voyez-vous que le terrorisme avait pris pied au Niger, ouais, et il y a eu une infection au Mali, et au l'infection s'est gangrénée au niveau, ouais, du Burkina Faso, une propagation depuis, ouais, longtemps, ouais, qui n'était pas quand même confrontée à ces genres de problèmes. Ouais. Mais très heureusement, ouais, et je ne dirais pas que c'est pour dire
que les coups d'État sont les bienvenus, mais les acteurs qui ont pris le destin de ces trois pays sont en train de faire tout pour dire, si jamais vous allez à contre-courant de ce que nous voulions, de ce que nous voulons promouvoir pour l'intérêt de nos populations, nous vous dirons non. Parce que l'espace CEDEAO compte au moins 500 millions d'habitants. Absolument. Mais seulement le Mali, le Niger et le Burkina Faso comptent plus de 200 millions. Ouais. Là, c'est pas négligeable. Ouais. Même si c'est des pays enclavés, mais aujourd'hui, nul ne peut parler de l'imposition. Par exemple, je dirais que l'idée est stupide de l'imposition d'un visa à travers ces trois pays pour dire non, il faudrait que les Maliens prennent un visa pour rentrer en Guinée. Cela... Donc, si je trouve mais que... c'est une logique, quand même. Non, c'est pas une... Dès qu'il se retire de la CEDEAO, de la zone CEDEAO, vous savez que nous avons un passeport commun. Oui. Mais... Alors, donc, si tel est le cas, ça s'impose naturellement. Oui, non, pas de façon forcément. Logique et de très naturelle. Logiquement. Ok. Moi, ce que... Non, pas logiquement, parce que, regardez, les principes fondateurs, quand même, de la CEDEAO, on ne parlait pas de visa ou autre. Et ça parlait de libre circulation des hommes et de leurs biens. Mais c'est pourquoi on a un visa. Non, comment c'est voilà. Comme si vous vous retirez d'une famille. Le papier est important, je suis d'accord. L'héritage ne vous appartient plus. Mais la CEDEAO n'a jamais apporté de solution au problème auquel les Ouest-Africains étaient confrontés. Ouais. Le problème de sécurité lié au terrorisme. Ils étaient où? Ils n'ont rien fait. Mais lorsqu'il s'agit, lorsque les présidents s'éternisent au pouvoir, lorsqu'il y a la violation des constitutions, le CEDEAO est où? Ils ne font rien. Donc, ils acceptent à bras ouverts ces gens encore autour de... C'est une évidence, mais ça ne devrait pas quand même être... Mais maintenant qu'il y a des gens, au moins qui ont pris le destin de leur pays pour leur dire non, parce que depuis 75, la CEDEAO existe, ouais. Mais elle n'a jamais fait quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Parce que je vous dis, mon cher ami, jusqu'à ce que la CEDEAO existe aujourd'hui, allez-y au Mali, vous allez payer l'argent à la frontière. Allez-y au Burkina, vous allez payer de l'argent à la frontière. Même en Côte d'Ivoire, donc la libre des personnes et de leurs biens. La libre circulation. La circulation des hommes et de leurs biens n'est pas respectée. Bien. Donc ce qui reste clair, moi je dirais, ils doivent accompagner ils doivent comprendre où. Parler ou traiter ce problème avec intelligence, yeah. Avec cette alliance qui s'est transformée en confédération, donc ils sont en train de faire leur chemin. Et si jamais ils réussissent, je vous le dis, les années à venir, ne soyez pas surpris que certains États aussi en face ou intègrent cette confédération. Justement. Pour leur donner force. Justement, quelle approche faut-il envisager pour éviter à cette organisation sous-régionale un effritement? Oui, mais c'est un réveil de la part de la même structure de cette même institution. Il faut le rappeler, c'est une manière aujourd'hui de se faire respecter, c'est d'être dur ou très logique dans ses décisions. Nous avons vu que la CEDEAO a été tellement mise à l'épreuve ici, surtout récemment pendant ces trois dernières années, c'est surtout ces deux dernières années avec cette vague de coups d'État à travers beaucoup de pays d'Afrique, il faut le rappeler, on parle de la Guinée, on parle du Mali, on parle du Burkina Faso, on parle du Gabon aujourd'hui, voilà. Et donc tous ces aspects-là aujourd'hui ont quand même montré combien de fois que la CEDEAO était quand même plus ou moins faible, yeah. Non seulement dans ses prises de décision. Si vous prenez la Cour de justice de la CEDEAO, combien de fois il y a eu des acteurs, des présidents et autres sanctionnés, ouais. Mais souvent, lié l'acte à la parole. Des décisions judiciaires prises, jamais appliquées. Des décisions judiciaires prises qui ne sont jamais appliquées. Ouais. Donc tout cela expose aujourd'hui la CEDEAO, tout cela fait de la CEDEAO une institution à moitié faible. Une institution qui est dans l'incapacité, disons, de faire respecter même. Une institution stérile. Ces décisions. Ouais. C'est-à-dire, c'est une institution, elle est là pour la forme, mais quand il s'agit de la réalité des faits, tout de suite, vous allez constater qu'il y a des failles, c'est-à-dire qu'il y a une certaine faiblesse et que l'institution, voilà, parfois même, au fil du temps, c'est qu'on oublie même ses décisions prises. Nous avons vu combien de fois des dossiers qui atterrissent au niveau de la Cour de justice et de la CEDEAO, mais finalement, même s'il y a des sanctions, vous allez voir que ces sanctions ne sont pas appliquées. Même si elles sont appliquées, ce sont des sanctions, c'est-à-dire qui n'ont aucune conséquence. Yeah. C'est qu'on on évoque des conséquences. Récemment là, c'est par rapport à certaines sanctions concernant certains pays.
on en sentait moins. On en sentait moins. C'est vrai qu'on n'était pas, nous, ici en Guinée, directement liés à tout cela, mais il faut quand même le rappeler, parce que récemment, la CEDEAO, par la voix quand même du président de la commission, Omar Alié Touré, qui avait rappelé, dimanche c'était hier, et par rapport à ce sommet d'Abuja, à l'Alliance des États du Sahel, vous le rappelez tout à l'heure, il a évoqué un certain nombre, c'est-à-dire de conséquences, qui pouvaient quand même planer sur les populations de ces différents pays-là, et qui se retirent en solo, et puis voilà, qui tiennent un sommet et tout, tout, tout. Ouais. On parle du côté, c'est-à-dire de transport, c'est-à-dire de voyage, la circulation des citoyens de ces pays, ouais. L'air bien, la... tout cela... les conséquences. Les impacts, ouais. Je crois que s'il pourrait y en avoir, c'est de ce côté-là. De ce côté, la CEDEAO peut quand même, il faut le reconnaître, taper du poing sur la table, et cela peut quand même impacter les populations de ces pays. Elle en avait fait déjà une première expérience à travers les sanctions. Les sanctions, bien évidemment. Ouais, mais ça n'a pas empêché de ces États-là de continuer leur bouchon. Oui, 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 mais quand même, voilà. il y avait quand même des conséquences qui étaient là. L'impact était un peu, c'est pourquoi il y a eu des pétitions même à travers certains pays de l'Afrique pour lever ces sanctions-là. Concernant le côté voyage, je crois que cela va beaucoup impacter les populations. En deux minutes, est-ce qu'une refondation ne s'impose pas à cette institution? En deux minutes, rapidement. Mais bien sûr, la CEDEAO a besoin d'une refondation. Depuis longtemps, la CEDEAO a besoin d'un toilettage. La CEDEAO a besoin aujourd'hui de se refaire la virginité. Il faut le rappeler, la CEDEAO, ça ne va pas. Intégrer certains paramètres. Mais bien sûr, la CEDEAO aujourd'hui a besoin. Notamment l'aspect défense et militaire, en fait, l'aspect sécuritaire. Ouais. À un certain niveau, oui, pour la CEDEAO effectivement... doit s'adapter à son temps, cela est très très important, parce que les États évoluent, les populations évoluent, la mondialisation ainsi de suite, donc la CEDEAO forcément doit adapter de nouvelles réformations, cela est très très important pour que les gens puissent voir à la CEDEAO une institution sérieuse, une institution qui garantit les libertés et droits, qui garantit la démocratie en Afrique de l'Ouest, cela est très très important. Et qui lit l'acte à la parole. À la parole, surtout. Bien, alors c'est tout pour ces deuxièmes sujets. Troisième plutôt. Hein. Pour ces deuxièmes sujets, j'allais dire. C'est moi qui ai préparé l'émission, c'est le deuxième sujet. Le deuxième, oui. Bien. On a parlé de trois sujets. Alors, nous continuons avec notre spécialiste de la maison, je vous le disais. À l'entame de cette émission, la Fédération guinéenne de football s'est prononcée sur les accusations d'abus sexuels au sein de l'Académie des Nongos. La Fédération rassure les parties prenantes, notamment la FIFA, l'Agence française de développement, que l'affaire est désormais entre les mains des... l'Office de protection des jardins de l'enfance et de mers au projet qui mènera une enquête approfondie pour établir les faits. En attendant les résultats de cette enquête, 5 entraîneurs sont déjà suspendus. Amadou Major Diallo. Et bonjour Yaya et bonjour aux fidèles téléspectateurs, auditeurs. Mais voilà, cette situation ne date pas d'aujourd'hui, mais c'est tout récemment qu'ils ont quand même rendu la copie propre à travers... Revenez sur l'historique, s'il vous plaît. Voilà, c'est à travers des investigations d'un journaliste français qui a fait un article, et puis il a attiré l'attention de la Fédération guinéenne de football, aussi que, voilà, eux aussi sont partis faire des enquêtes, lire l'article, parce que même le journaliste français, il a insisté. À un certain moment, la Fédération guinéenne de football ne voulait pas s'intéresser d'une manière, mais de fait qu'ils ont vu que ce journaliste a attiré l'attention de la FIFA et on risque d'être sanctionné à un certain moment. Mais voilà, la Fédération a pris ses responsabilités. Ils ont interpellé que cinq techniciens, entraîneurs adjoints ou préparateurs physiques, on les a suspendus de leurs fonctions. Pour le moment, ils sont accusés, mais ils ne sont pas coupables. Absolument. Et puis, il y avait la presse qui a un peu mis la pression sur la Fédération guinéenne de football de dévoiler ces noms. Mais selon la FEGIFOOT, ce sont des noms sous anonymat pour protéger leur image. Absolument. Maintenant, c'est le projet qui est en train de faire les enquêtes. Il n'y a pas eu de résultat pour le moment. Un résultat concret, un résultat voilà, qui pointe du doigt accusateur assez coupable pour le moment. Mais je vous rappelle encore, c'est une situation qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est maintenant, c'est à travers ce journaliste français qui a attiré l'attention de la presse et puis tant d'autres. Et ce qui est encore grave au niveau... Donc on a poussé la FEGIFOOT à réagir. À réagir, yeah. Exactement. Mais avant ça, selon mes informations, j'ai appris que même entre les joueuses,
ils sont en train de se suivre entre eux. Voilà, dire soi-disant tu es mon copain, tu es ma copine, ça c'est entre filles, entre même les footballeuses. Absolument. Incroyable. Oui, effectivement, parce que j'aurais appris lors d'une compétition au Liberia, l'entraîneur même, avant même le match, c'est à travers une journaliste sportive qui m'a donné ces informations, elle était au rendez-vous, l'entraîneur a rappelé aux joueuses, arrêtez de faire ce que vous avez l'habitude de faire la nuit. À Conakry, sinon on risque de perdre cette rencontre. Incroyable. Maintenant, après la rencontre, l'entraîneur les a rappelés, si vous n'êtes pas sérieuse entre vous, on risque de perdre ces rencontres. Donc c'est pour vous dire que quand on parle d'abus sexuels, c'est pas seulement les coachs garçons qui... C'est une gangrène. Voilà, c'est une gangrène, même entre les filles. Ouais. Voilà, il y a même une dame coach qui est accusée dedans, elle, on a échangé. Bien. Lorsque j'ai échangé avec la dame, selon elle, selon ses explications, qu'on veut la nuire. Que ce n'est pas ce journaliste français qui est venu en Guinée pour faire ses investigations, que c'est un journaliste sportif guinéen qui a attiré l'attention de ce journaliste français de faire des articles pour nuire la dame, pour que son entraîneur reste en tant que sélectionneur de cette catégorie. Bien. Parce que lui, il est conscient, quand la dame vient à ce poste, il va quitter, il va sauter. Ouais. Donc, c'est là la dame, voilà, ils sont en train de la nuire. Moi, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, si vous avez un avocat, il faut contacter votre avocat et puis vous allez déposer vos requêtes. C'est à la justice de trancher, mais c'est votre version que moi j'ai écoutée. Voilà, si chacun cherche à se défendre, c'est pour vous dire que ça ne date pas d'aujourd'hui, on attend de voir ces verdicts. Alors, quel risque, disons, la fake foot, en tout cas le monde sportif, si toutefois on n'arrivait pas à mettre la lumière sur cette affaire? On risque beaucoup de choses. Déjà, on va décourager les gens qui ont envie d'investir dans le foot féminin, parce qu'il y a bon nombre de personnes qui, voilà, selon eux, les filles sont lésées dans le football. Donc, il y a de ces personnes de bonne volonté qui continuent à financer des clubs et tant d'autres, mais ça va décourager les investisseurs, ça va décourager les parents, parce qu'il y a beaucoup de parents qui ne sont pas d'accord que leurs filles pratiquent le football. Selon eux, ce sont ces genres de choses qui se déroule. Maintenant, s'ils ont des informations claires qu'il y a tout ce qui est abus sexuel, ça va décourager les parents et le football féminin aussi va descendre. Absolument. Oui. Mais concernant le côté des filles, qu'est-ce qui a pu vraiment exploser? Qu'est-ce qui a aujourd'hui révélé tout cela? Parce que c'était quand même des pratiques qui étaient très difficiles avant quand même de détecter. Qui existait mais en sourdine. Oui, ça, bien sûr. Effectivement. L'élément déclencheur. Vous savez, c'est à travers ce journaliste français, c'est selon lui qui a fait des investigations. Ouais. Voilà, vous savez, il y a de ces journalistes aussi, c'est leur travail. C'est absolument. Voilà, ils vont partir chercher, fouiller, voir ce qui se passe avec des pièces à conviction. Ouais. Selon le journaliste, il a même des témoignages de ces joueuses qui sont victimes de cela. Voilà, on attend de voir d'abord comment le projet va essayer de trancher cette situation, mais ce qui reste clair, cette situation, elle est réelle, hein. Elle est en train de se pratiquer même entre les filles. Voilà, parce que nous, on est journalistes, souvent on échange avec les filles. C'est pas seulement les garçons qui sont là à suivre les filles, même les filles entre eux. Et c'est pas bon pour l'image, voilà, l'homosexualité dans un cadre général. Est-ce que cela veut dire aujourd'hui que le mal est très profond? Effectivement, le mal est très profond, hein, parce que là même, ça décourage. Parce qu'à un certain moment, ces joueuses réclamaient beaucoup de choses. Le fait que le football féminin est lésé, on n'est pas au même pied d'égalité qu'aux garçons. Et la parité. Voilà, la parité. Aujourd'hui, on est en train d'entendre ces genres de choses. Ouais. Donc, ça n'encourage pas. Oui. Oui, oui, moi d'abord, c'est juste pour une minute, hein, si vous me le permettez, chef. Et ce que moi j'aimerais dire, ce que vous venez de dire, ce n'est pas nouveau. Les faits ne sont pas nouveaux. Là, et depuis, ça se passe dans, je dirais quasiment partout dans les équipes africaines, mais ce que je trouve choquant, que en fait l'alerte vient d'un expatrié, voilà, ce que j'aimerais dire quand même aux journalistes guinéens, il faudrait qu'ils aient le courage quand même de s'intéresser à tout, cela est très très important, parce que ça y va de la vie de la société, parce que tout de suite vous avez parlé de l'homosexualité, bien sûr que ça existe, parce qu'aujourd'hui nous voyons quand même dans les rues, dans les boîtes, partout à Conakry, ce phénomène se développer à un niveau vraiment inestimable. Mais les gens ne font pas leur soucis. Mais maintenant que ça se passe au niveau de la Fegifoot et que c'est un expatrié qui vient porter de l'eau au moulin ou bien pour attirer notre attention sur ce sujet, moi je pense qu'il faudrait maintenant taper du poing sur la table, que tous ceux qui sont quand même impliqués dans ce problème soient traduits devant les juridictions compétentes. Cela est très très important. Sinon moi je n'ai aucun problème avec lorsque sur la question du choix
Moi, je le dis. Je dis pour moi. Je n'ai pas de questions à me poser là-dessus concernant si telle doit sortir avec telle, telle doit sortir avec telle. C'est des filles majeures. Il n'y a aucun problème. Mais la question de l'homosexualité s'impose. C'est une question, c'est une réponse qui doit être trouvée à ce problème. Mais aussi au staff des gens qui permettent quand même d'abuser de ces filles parce que c'est des femmes simplement et qui sont dans des équipes ou bien pour les faire voyager ou pour les faire jouer. Que cela s'arrête quand même en Guinée, que cela s'arrête. Et sincèrement, j'interpelle quand même la fédération de faire face à ce problème, de prendre à bras le corps ce problème pour que les coupables soient traduits devant les juridictions compétentes. Amadou Mazor, le fait aujourd'hui que, c'est-à-dire quand même que l'attention soit attirée par un journaliste français, est-ce que cela ne voudrait pas dire quand même qu'il y a anguille sur roche? Bien sûr, hein. Selon ce journaliste français qu'il a déjà un représentant ici, il travaille avec un journaliste guinéen qui lui remonte des informations. C'est à travers même ce journaliste que ces joueuses se sont confiées. Donc ils ont des éléments sonores, qu'ils ont des pièces à conviction. Incroyable. Mais moi, ce qui me taraude l'esprit, quand j'ai échangé avec une dame accusée, elle m'a fait comprendre que ce journaliste veut, elle, l'empêcher d'être dans le staff technique parce que là, il est conscient, quand il y a un staff qui vient là-bas, lui, il va sauter. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, on va attendre de voir qu'est-ce qui va se passer. Donc c'est un complot, ou dit contre elle. Voilà, selon elle, voilà. C'est sa version. Ouais. Mais c'est difficile. Non, mais pour le moment, il y a beaucoup d'accusés. Hein, beaucoup d'accusés. Parce qu'on a même suspendu 5 entraîneurs. Mais ce que je ne comprends pas dans le communiqué publié par la Fegu Foot, c'est quand on parle des allégations dès le premier paragraphe, et puis au milieu, on nous dit que nous considérons ces accusations-là, nous les prenons à bras le corps, ouais, et puis derrière, on procède à des suspensions. Alors, c'est qu'on ne comprend. L'amalgame se trouve où? Pour le moment, vous parlez des allégations. C'est que les allégations, ça veut dire que c'est des mensonges. Ça ne tient pas la route. Ça dépend de quel superlatif. Je comprends, même pas forcément, mais quelque part, c'est que vous parlez des allégations, c'est que vous rejetez ce qui a été dit de vrai dans peut-être la révélation faite par le journaliste. Exactement. Et au milieu, on nous dit que nous considérons quand même ce qui a été annoncé comme accusation, ce qui a été fait comme révélation. Et même si vers la fin on procède à la suspension de plusieurs encadreurs, et aujourd'hui l'affaire est confiée à l'OPROGEM qui doit aussi mener des enquêtes, car cela ne tienne pour dire à Dansoko, peut-être le rôle de journaliste sportif guinéen que nous pouvons être, c'est pas forcément. Si aujourd'hui le bal, je comprends, vous avez parlé de que cela doit aujourd'hui attirer l'attention. Peut-être que selon vous, ça devrait venir de nous, par exemple. Non, ce qu'il dit, il a parfaitement raison. Non, je suis d'accord avec lui. Je suis journaliste sportif aujourd'hui. La vérité, elle est là. La vérité, elle est palpable. Aujourd'hui, les journalistes sportifs guinéens, au niveau de nos analyses, on est limité. C'est pas parce qu'on n'a pas le niveau. Un journaliste qui a déjà un camp, un journaliste qui est déjà dans un camp, un journaliste déjà qui a un parrain, qui est parrainé par quelqu'un, qui est partisan, mais dans un cadre général, ça fait longtemps que c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est clair. C'est ça la vérité. Évidemment. Il y a même il faut le dire, c'est comme si on se retrouve dans un milieu où il y a des tribus, c'est-à-dire des castes, des clans, tout, chacun est de son côté. Aujourd'hui, vous prenez le président de la nouvelle équipe qui est là, je ne vais pas nommer. En fait, chaque camp a ses communicants. Et finalement, c'est comme si on se hôte quand même de ce manteau de journaliste pour s'investir ou quand même épouser un autre manteau qui est manteau de communication. C'est pas interdit d'être amis sur les réseaux avec certains journalistes qui s'insultent, c'est-à-dire mutuellement à longueur de journée, pour des questions d'intérêt. Vous savez, c'est pas interdit. Si vous permettez, c'est pas interdit de défendre Paul Pierre, mais tu lui défends dans la logique. Ouais. Je prends aujourd'hui un exemple, même si on n'est pas en train de parler de Kaba Diawara. Ouais. Aujourd'hui, quand en tant que journaliste, quand tu arrives à recenser les erreurs de Kaba Diawara, on va te coller l'étiquette que tu es contre les dirigeants de la Fédération Guinéenne de Football, que tu veux défendre un joueur. Mais je n'arrive pas à comprendre cela. Mais aussi, il y a ces journalistes qui critiquent Kaba Diawara parce que leurs patrons ne sont plus aux affaires. Bien. Donc, il y a deux camps. C'est très difficile aujourd'hui de donner ces analyses. Moi, j'ai été invité tout dernièrement dans un média
Après ça, on m'appelle, dit « Major, on a l'habitude de te suivre, mais cette fois-ci, tu es passé à côté. Ouais. » Parce que je ne parle pas ce qu'il souhaitait entendre. D'accord. Et nous, difficilement, on va voyager. Yaya, ce que moi, j'aimerais ajouter par rapport, puisque nous parlons de ces cas d'agression sexuelle qui se trouvent au d'abus cœur sexuel, hein. D'abus sexuel. Ouais. Oui, entre guillemets, agression. Ouais. S'il y a abus, c'est que quelqu'un a agressé quelqu'un, forcément. Ouais. Pour passer c'est différent. L'un précède l'autre. C'est différent. Oui, ce système pédocriminel et qui peut s'inviter, en tout cas, à la figue foot, même si pour le moment, on rejette les accusations, mais ce qui est sûr, en attendant que la lumière soit faite sur cette affaire, il faut vraiment inviter la justice à s'intéresser, puisque les révélations qui ont été faites sont vraiment les témoignages, parce que moi j'ai lu l'intégralité de l'article publié sur RFI même, sur la page, avec le journaliste français, les témoignages qui ont été faits, ça et là, par les victimes, ce sont des témoignages qui ne sont pas à négliger. Ce sont des témoignages à charge. Ouais. Et donc, pour le moment, loin des questions de soutenir qui que ce soit, parce que rappelez-vous, s'il y a une tornade, chacun se sauve en mettant la main sur la tête. Ouais. Aujourd'hui, vous pouvez interviewer quelqu'un qui vous dira que oui, en tant que journaliste, oui, ils le font peut-être pour me déclasser, pour que j'empêche cette personne. Donc, bon, ça vient d'elle. Mais pour le moment, on a un problème. Major l'a rappelé tout à l'heure, c'est un fait, ça existe. Et toutes ces révélations ne sont pas à négliger. Et pour le moment, en tant que journaliste sportif que vous êtes, peut-être que vous pouvez soutenir la vérité. Et peu importe, si on vous colle une étiquette par rapport à cela, moi j'espère que nous faisons notre travail. C'est pour cela. Cette étiquette ne compte pas trop. Major, mais voilà, il faut faire juste le boulot. Quels risquent ces entraîneurs? Si toutefois, la thèse est là, qu'effectivement il y a eu d'abus sexuels, quels risquent-ils? Bon, je pense que si le projet arrive à trancher cette situation dans les normes, ces entraîneurs risquent d'être sanctionnés par la Guinée, par la CAF et même par la FIFA. Bien. Parce que si ces entraîneurs sont accusés d'abus sexuels et que la Guinée arrive à reconduire les mêmes entraîneurs dans une compétition, on risque de déposer des requêtes sur la Guinée et souvent on nous sanctionne. On a vu ce qui s'est passé entre la Guinée et le Sénégal au niveau des U17, au niveau des passeports des enfants. Donc si administrativement, on n'arrive pas à faire la part des choses, on a déjà des parties, je pense que ça va nous rattraper encore. La meilleure solution, il faut qu'ils arrivent à trancher, apporter des pièces à conviction. Et franchement, c'est que ces coupables arrivent à subir les sanctions, les règlements. À l'entrée de leur forfaiture. Exactement. Moi, c'est ce que je souhaite. Mais ce qui reste clair, j'attire l'attention de mes confrères journalistes sportifs de faire leur travail. Le journalisme a existé avant ces messins. On a vu les faux de Bouya Fofana, les Gassou Diaby et consorts qui ont travaillé avec honnêteté. Donc, si tu sais que réellement tu es venu dans ce métier pour s'enrichir, je pense qu'il faut partir ailleurs. Bien. La radio, c'est l'heure, c'en est terminé pour ces numéros d'aujourd'hui. Mohamed Loba, merci. Merci à Amadou Major Diallo, merci. Merci. Je vous rappelle que vous êtes le spécialiste de la maison, journaliste sportif. Du haut niveau. Merci. Merci Yaya, merci beaucoup. Merci Fode Bangali Dansoko, merci. Merci. Merci au niveau de la régie, télé et radio. Merci à la réalisation, Michel Ouamounou, au niveau de la réalisation, Fode Amadou Kamara, au niveau de la technique radio, mais aussi Mamadou So, au niveau de la régie, télé. Merci à vous tous. On se reprend demain si l'éternel le veut bien. D'ici là, vous serez tout à l'heure dans le flash avec Bontoura Bissouma. Portez-vous bien. Plusieurs fois. Stabilité économique là qui va s'accroître et c'est pas bon pour notre république. Nous ne sommes pas dans une république, mais nous sommes dans une républicophile. Il faudrait pas crier à Uaja, il faut quand même saluer d'une part les efforts du gouvernement. Le ministre Ousmane Gawal nous dit que bientôt le bateau.